Les défis de demain seront écologiques. Le département d'Indre-et-Loire se prépare à la transition énergétique. À l'heure du grand débat national, 5 débats sont annoncés ici en Indre-et-Loire. L'objectif est clair, créer de l'emploi grâce à la production d'énergie verte. On écoute Frédéric Thomas. La volonté du Conseil général, c'est de se rapprocher là où il y a de la compétence. Je pense notamment en matière énergétique, l'agglomération. Je pense que c'est ensemble qu'on arrive à trouver des solutions techniques, à bénéficier des expériences des uns et des autres. Donc, dans un avenir très proche, nous essaierons, au niveau départemental, de pouvoir avoir un pôle énergie qui soit à la fois novateur sur le plan régional, voire national, et puis aussi qui puisse attirer des industriels nécessaires au développement de notre économie locale.